Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce gâteau tarte coco, pitaya et myrtille. Alors, pour commencer, on va prendre de la farine de noix de coco. Alors attention, la farine, ce n'est pas de la poudre de noix de coco. La farine, elle est déshuilée. Ça veut dire que là, on va avoir un dessert pauvre en gras. On va ajouter donc à 25, on a mis 25 g donc pour une personne, 25 g de farine avec un peu de sirop d'érable, vous en mettez autant que vous voulez par rapport à la quantité de sucre que vous voulez. On va voilà, mélanger jusqu'à temps que ça émiette, que ça s'émiette un petit peu, hein, un peu comme si on faisait une pâte sablée. Et puis lorsque tout est un peu émietté, eh bien on commence à mettre un tout petit peu d'eau, mais attention, on rajoute toujours l'eau au fur et à mesure, parce que si on en met trop et que ça devient trop liquide, ça va plus être possible. Une fois que ça nous fait une pâte homogène et collante, on va la tasser au fond d'un plat, puisque ça va être notre base en fait, la pâte de base de notre dessert. Donc on tasse bien pour que ça soit bien homogène, bien plat. Et ensuite on va mettre au congélateur pendant le temps que l'on fait le reste pour que ça durcisse un petit peu. Ensuite on va donc prendre un robot lame S et on va mettre 5 dattes. Donc j'ai utilisé des dattes masafati, des dattes fraîches. Il faut utiliser d'autres dattes, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite on va ajouter une grosse cuillère de fruits du dragon ou pitaya. La même chose. On va ajouter 2-3 cuillères de mulberry séché et puis on va mixer jusqu'à obtenir une boule de pâte. Ça va assez vite. Et voilà, là on a une boule de pâte qui est totalement sans gras. On va appliquer donc notre caramel au pitaya sur la base de noix coco de tout à l'heure. Et voilà. Et ensuite, on va ajouter des myrtilles. Vous pouvez ajouter n'importe quel autre fruit. Là, ce sont des myrtilles surgelées. Je les tasse bien pour les enfoncer un peu dans la pâte de datte. Et puis ensuite, on peut laisser au frigo décongeler. On appuie comme ça, on laisse au frigo. Et là, pour vous montrer, je vais tout de suite démouler. Bon, ça ne me dérange pas de manger les myrtilles surgelées encore. Ça croustille. C'est comme de la glace. Donc voilà, on va essayer de retirer délicatement le papier. Et voilà, nous avons notre petit gâteau tarte réalisé en quelques minutes seulement et mangeable immédiatement si on veut. Pauvre en gras, super sain, sans cuisson, tout cru. Regardez-moi cette belle couleur super puissante. Voilà, c'est terminé. Pour retrouver d'autres recettes gratuitement, allez sur redeviens-toi.fr. Vous en trouverez plusieurs, des crues, des cuites, tout ce que vous avez besoin.